Salutations, salutations, ma vie famille, partout dans le monde, c'est votre chief. Les gars, c'est un t-shirt Snoopy, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Snoopy, vous êtes trop jeunes, d'accord? Pour ceux d'entre vous qui, tous ceux-là qui savaient Snoopy, cela faisait partie de notre voyage d'enfance, en grandissant dans les premiers jours. Bienvenue les gars, à mon message du mercredi. Il est 4h30 du matin. Du mercredi, d'accord? Je tiens mes promesses, quoi qu'il arrive, cette semaine, la semaine 7 est la dernière semaine avant l'avancement de rang, la semaine prochaine. Alors, élevez la barre plus haute, les gars. Tout le buzz est passé, beaucoup de temps avec Datos, Rivijay et Chouaran, mettant les touches finales à ce que nous allons faire différemment à ce Vicon le 27, 28, 29 mars. Maintenant, je vous le dis toujours. Et je vous le rappelle encore une fois, le Vicon n'est plus un choix, c'est une nécessité et cela fait partie de votre voyage. Le déclic, c'est le changement de paradigme, c'est l'évolution que vous devez traverser chaque Vicon pour que vous vous rapprochiez de plus en plus de la liberté, de votre potentiel illimité et devenir un jour roi ou reine du Marsau. Les gars, alors 27, 28, 29 mars, annulez tout pour que tout le monde soit là. Le Vicon, les gars, cette semaine, mercredi, quelque chose est très différent. Et je veux que vous écoutiez très attentivement. Maintenant, au cours des 23 dernières années, je suis très fier que Qunet soit la première société de marketing de réseau, de commerce électronique. Nous appartenons à une grande industrie du marketing de réseau qui a survécu 100 ans à l'effondrement économique, aux pandémies. Quel que soit ce qui arrive, cette industrie durera des générations à venir. Comme la meilleure forme d'entrepreneuriat. D'accord? Et pour l'homme ordinaire et pour la femme ordinaire, avec un rêve peu commun. D'accord? Ok, que beaucoup de gens comprennent et à s'identifier uniquement comme un networker. Et vous dites ceci, je dis cela, nous disons tout cela, d'accord? Je suis un networker. J'appartiens à la plus grande industrie de marketing de réseau au monde. Et c'est ce qui est vrai. Mais être un networker, c'est finalement être un entrepreneur. En ce moment, la différence dont je me rends compte est une faiblesse ou l'une des faiblesses du marketing de réseau est que les gens croient que le marketing de réseau n'est pas une forme d'entrepreneuriat. Les gens croient que le marketing de réseau est quelque chose de différent, en ce sens qu'ils peuvent participer et devenir riches sans appliquer les principes de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, je vous donne un long message nécessaire pour votre voyage dans cette activité. Écoutez d'ici et laissez-le voyager sur 12 pouces jusqu'ici, d'accord? Vous êtes un entrepreneur. Le marketing de réseau est le véhicule. Mais vous êtes un entrepreneur. Vous êtes votre propre patron. Vous commencez un voyage en tant que propriétaire. Votre propre puissance. Cette entreprise que vous êtes, qui est puissante entre vos mains. Tout ce que le succès que vous voulez repose dans vos épaules, les gars. D'accord? Ce voyage va être difficile. D'accord? Il va y avoir de bons jours, de mauvais jours, de bonnes semaines, de mauvaises semaines. Tout le monde ne va pas vous tapoter sur le dos et dire que vous avez pris la meilleure décision de votre vie. D'accord? Certaines personnes vont tout vous traiter de crétin parce que vous êtes un networker. Certaines vont vous attaquer, critiquer, vilipender cette grande, belle entreprise construite par deux hommes, Japarat Bismarck et Datos Rivijay. Il y a cela 23 années. D'accord? Des bonnes personnes qui ne comprennent pas cela viendront et votre famille ne vous soutiendra peut-être pas. Mais vous êtes un entrepreneur. Maintenant, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur est quelqu'un qui prend ce que je crois être la plus grande décision qui change la vie, où ils disent que mon destin est maintenant entre mes mains, qu'ils ne se soumettent plus au statu quo, qu'ils deviennent un rebelle, qui croient que cette évolution ultime où quelqu'un peut être son propre patron, ils peuvent décider de leur propre destin, qu'ils peuvent être prêts à payer quel prix pour atteindre la grandeur. Maintenant, être un entrepreneur aujourd'hui ne se limite pas à l'industrie du marketing de réseau.
Si vous voyez les stars de cinéma, si vous voyez les chanteurs, les producteurs de musique, tout le monde aujourd'hui adopte le concept d'entrepreneuriat. Mais les gars, toute autre forme d'entrepreneuriat nécessaire nécessite beaucoup de choses. Maintenant, la beauté de cette industrie du marketing des réseaux, la beauté d'une entreprise comme Qnet, vous achetez un produit, que ce soit que vous allez acheter, ok, que ce soit le QVI, Home Pure, Chipendant, mais incroyable montre similaire, tout ce que vous allez acheter. À la minute où vous achetez le produit, une porte s'ouvre, une musique lumineuse, et voilà le centre de suivi que vous ne comprenez pas. Ce centre de suivi que vous possédez à qui a une gauche et une droite, qui vous verse une commission chaque fois qu'il atteint 3000 BV à gauche et 3000 BV à droite. Jusqu'à ce que vous faites le max out, les gars. C'est votre entreprise. C'est l'Amazon de Jeff Bezos. C'est Facebook de Mark Zuckerberg. C'est Microsoft de Bill Gates. C'est l'Apple de Steve Jobs. Il a confiance de Mukesh Dabani. Vous comprenez? C'est Cheikh Zayed de Dubaï. Vous comprenez? C'est à vous maintenant que le centre de suivi peut vous donner tout ce que vous voulez. Cela peut faire de vous, de vos rêves, une réalité. Cela peut effacer tous les défis auxquels vous êtes confrontés dans la vie. Étant pauvre, ayant du mal à payer vos factures, que le centre de suivi est le début de votre voyage dans ce domaine de l'entrepreneuriat, où vous décidez de votre foi, où vous contrôlez enfin. D'accord? Rappelez-vous que je vous dis toujours que l'une des plus grandes erreurs que nous commettons, et Dato Srivijay m'a dit ceci il y a 23 années, Padman, pendant les 22 années sur les 23 années de ma vie, j'ai donné mon droit divin à tout le monde. Et le jour où je me suis inscrit, il a dit que c'est le moment où vous reprenez le contrôle de votre vie, d'accord? Vos choix doivent rester entre vos mains, pas entre les mains de votre patron, pas dans un conglomérat qui vous embauche juste comme un numéro suivi travaillant quelque part. Pas à votre gouvernement, ni à personne. Que le jour où vous arrêtez d'écouter le monde, les gars, je vous promets qu'un jour, le monde commencera à vous écouter. Des mots puissants de Dato Srivijay. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que vous ne vouliez pas faire ce qu'il faut dans l'entrepreneuriat parce que vous pensez que le marketing des réseaux n'est pas l'entrepreneuriat sérieux. Parce que vous pensez que je fais la promotion de quelques produits, je fais un tour, je fais la présentation, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Vous, êtes-vous fou? Pensez-y un peu. Vous achetez un produit, 2 000 $, alors 3 000 BV, ok? Un produit incroyable. Vous avez le produit, vous l'installez un home pure, vous portez une montre, vous portez un pendatif, ok? Les gars, ou vous achetez un Kubrick. Et vous partez en vacances quelque part, maintenant que les voies aériennes sont à nouveau ouvertes. Dès la nuit où vous recommandez ce produit à quelqu'un d'autre, et tant que vous faites 3000 BV à gauche, 3000 BV à droite, vous pouvez gagner $250 comme gold, $225 comme silver. Et c'est un revenu que la plupart des entrepreneurs mettront des mois ou des années à gagner réellement. Parce qu'ils doivent investir, ok? Leurs économies, ils doivent tout donner. Pas 2 000 $, mais $200 000 pour démarrer une entreprise. Alors, quand voit-il réellement des bénéfices? Maintenant, vous faites le calcul et pensez à cela, que votre centre de suivi, à un moment donné, a le potentiel de vous payer un maximum de plus de $20 000 par semaine. C'est environ 80 à 100 000 par mois, les gars. Ce qui vous amène dans les 1% de notre société mondiale. Ce qui signifie que sur les 8 milliards de personnes sur cette planète, vous tomberez dans le top 1 du monde en construisant votre entreprise et au point où un centre de suivi fait le max out. Vous êtes dans la ligne différente et tout vient de ce centre de suivi. Cela signifie que vous devez comprendre que ce centre de suivi est votre entreprise. C'est votre Amazon, c'est votre Apple, c'est votre Microsoft, c'est votre McDonald's, c'est votre Starbucks, c'est votre entreprise. Et vous êtes le propriétaire à 100% de ce centre de suivi. Ce centre de suivi vous appartient. Maintenant, la plus grosse erreur que vous commettez, que les entrepreneurs n'ont pas le privilège, est que vous vivez deux vies. Vous avez votre vie, la vie normale, et vous êtes ici.
et vous êtes dans Qnet en train de construire votre entreprise de marketing de réseau. Et tant que ces deux voyages sont séparés dans votre vie, où vous avez la possibilité de vous déconnecter ou de profiter de la vie et puis revenir après une semaine, vous faites le business et vous vous reposez, vous faites le business et puis vous vous reposez, vous n'y arrivez jamais parce que dans votre esprit, vous faites Qnet. Mon secret du succès est que je suis guerrier et que je ne suis pas dedans. Qnet est en moi. C'est mon affaire que je suis le PDG. Je suis l'actionnaire à 100%. Cette vidéo m'a appris que tous les résultats que je veux atteindre sont entre mes mains. La plus grande erreur que vous commettez est de séparer Qnet de la vie que vous vivez. Et parfois, vous visitez votre monde Qnet et espérez le meilleur en faisant quelques présentations, en espérant référer un Adli, un Aaron, un Sati, un David. Vous savez, la première semaine, la plus grande erreur que vous commettez est de traiter séparément votre vie. D'accord ? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens qui réussissent font, si vous regardez jusqu'à vos uplines, jusqu'à vos grands fondateurs, Japaraz Bismarck et Dato Sri Vijay, notre secret est la même. Ils sont réunis. Juste que Qnet et notre vie ont fusionné. Que Qnet est la vie et la vie est Qnet parce que nous possédons. Vous pensez que Jeff Bezos ne pense pas à Amazon 24 sur 24? Pensez que des milliardaires et des millionnaires de ce monde ne mènent leur affaire séparément de leur vie? Non. Ce ne sont pas des entrepreneurs. Il n'y a pas de vie et de business à part. Ils fusionnent en un. D'accord? Et lorsque vous comprenez le pouvoir de cela, vous commencez vraiment votre voyage au Marsau. Et les gens me disent que je ne sais pas comment devenir entrepreneur, mais vous ne comprenez pas que toutes les caractéristiques d'un entrepreneur que vous étiez né avec, savoir si c'est la cohérence, la passion, la croyance, êtes-vous un rêveur, être un guerrier, regardez à travers votre parcours de vie. Vous vous êtes battu pour beaucoup de choses. En tant que guerrier, vous avez été battu pour l'amour. Vous avez été battu pour la suivi. Vous êtes cohérent. Vous êtes allé à l'école tous les matins, si vous aimez ou pas. Vous êtes allé voir ce gourou venir. Alors vous avez trouvé cette entreprise incroyable, Qnet. Vous avez ce qu'il faut. La seule erreur que vous faites maintenant, même pour les nouveaux qui me regardent ou qui que ce soit, c'est quand vous séparez et que vous le séparez, vous ne pouvez pas faire le max-out parce que c'est la vie et c'est Qnet. Vous traversez les deux endroits, d'accord? Là, ici, c'est la vie. Là, c'est Qnet. Vous traversez les deux endroits. Donc, vous ne pouvez jamais être cohérent dans un seul. Dans un. Le secret du succès, et je vous dis et je vous supplie d'avoir le changement de paradigme utile que j'ai eu grâce à Dato Sri Vijay, qui en est devenu un. Et oui, vous devez faire des sacrifices. Qui vous a dit qu'il n'y avait pas de sacrifice pour intégrer 1% de la population mondiale? Vous savez gagner des millions, bien sûr. D'accord? Vous devez faire des sacrifices. Vous devez payer le prix. Bien sûr, vous le savez, endurer des rires, des critiques de tout le monde. Bien sûr, il va y avoir des commentaires négatifs et des articles dans Google. Cette entreprise, chaque entreprise aux milliards de dollars dans le monde, si vous faites des recherches sur Google, il y aura des négativités sur Google. C'est comme ça, vous savez que vous l'avez fait, bébé. S'il n'y a rien de mal à votre sujet sur Internet, cela signifie que vous n'avez pas encore fait la différence sur cette planète. Parce que toute personne formidable que je connais, y compris Japaraz Bismarck et Dato Sri Vijay, il y aurait toujours des gens qui viendront dire du mal de nous. Peu importe, je suis un entrepreneur. C'est mon voyage vers la liberté financière. Et le plus grand avantage de l'entrepreneuriat dans le marketing des réseaux est que vous n'atteignez jamais la liberté financière seul. Que vous emmenez autant de personnes que possible avec vous. C'est le pouvoir de cette industrie appelée marketing de réseau qui n'existe nulle part ailleurs. Oui, dans ces grandes entreprises aux milliards de dollars, il y a un ou deux personnes qui le font. Vous n'entendrez que quelques noms.
Mais dans le marketing de réseau, si vous regardez attentivement le VIE, vous regardez CUNET, vous regardez les VIE Partners, vous regardez les EVP, les VIE Council, nos VIE Elite, que c'est le concept de marketing de réseau, que ce format d'entrepreneuriat ne vous permet pas de réussir seul. C'est impossible. Vous ne réussissez que lorsque vous aidez les autres à réussir. Vous ne pouvez pas les aider à réussir. Et vous ne pouvez pas aider les autres à réussir si vous menez les deux vies distinctes. OK? La VIE et CUNET sont égales. Pas de succès si c'est séparé. Vous voulez être un roi ou reine du Mars ou une reine du Mars out? Vous changez le monde. Vous voulez laisser un héritage, saisir cette opportunité incroyable, appelez CUNET, prenez votre VIE et rassemblez-la comme une seule. Et je vous promets que vous rencontrerez votre histoire un jour sur scène à un VIECON. D'accord? Je vous aime les gars. Vous êtes un entrepreneur.